Kelea alba nakchampa. Nakchampa vient de l'étymologie en fait du mot nagar, nagar le dieu serpent qui protège les temples indiens. C'est une plante sacrée dans l'hindouisme, consacrée à Vishnu et à Shiva. On dit qu'elle nous amène la dissolution de l'illusion de la mort. Et c'est du baume sur le cœur, de baume aussi pour la peau. Très peu connue dans le monde de l'aromathérapie et très peu connue en tant qu'hydrolat. En effet, ici nous nous trouvons au Taïwan, chez un producteur d'hydrolat de champaka biologique. C'est probablement un des rares producteurs de cette eau florale magique. Et pourtant, son parfum est exquisite. Il nous séduit. Il nous embaume et il nous laisse aller à l'intérieur de nous, à l'octave supérieure du cœur. C'est comme un triomphe sur l'ego. Nous laissons venir les choses. Il nous aide à relativiser. Il nous aide aussi à prendre du recul par rapport à nos frustrations, à nos colères, à cet nerf à vif. Également à retourner en intérieur de nous dans ce temps où tout va rapidement, où tout est rapide, où le stress nous submerge très vite. Sur la peau, quand elle est rouge, quand elle démange parce qu'il y a de l'urticaire, vaporisez de l'hydrolat de champaka et vous verrez tout de suite la fraîcheur. Il hydrate la peau en même temps et la peau également peut de nouveau retourner à son état de santé et son état normal. Faire une cure avec l'hydrolat de champaka va calmer tout le feu digestif. Il va apaiser les fringales. Il va apaiser cette obsession de vouloir manger à tout prix. Il va calmer également nos frustrations, des sentiments de jalousie, des sentiments de ne pas avoir assez. Je vous invite de découvrir cette eau florale magique et de retourner dans l'état de Nagar, qui reste stoïque en fait devant le temple. Il protège ce qu'il y a de plus précieux et il dissout en fait cette illusion qui est le monde matériel à une finalité. Alors, essayez et vous verrez.